Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Moins d'une semaine après la réunion entre les différents maillons de la chaîne pénale pour examiner les dysfonctionnements dénoncés par les avocats, des réponses légales à certains griefs contenus dans la résolution du Conseil de l'Ordre des avocats sont connues. Dès le lendemain, à savoir le 5 septembre 2019, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, par la voix de son secrétaire d'État, instruisait tous les délégués régionaux de l'administration pénitentiaire l'accès des avocats dans les prisons. Le 6 septembre, le ministre d'État, Laurent Esso, à travers son ministre délégué, instruisait cette fois les procureurs généraux près les cours d'appel pour un libre exercice de la profession d'avocat devant les cours et tribunaux. Si Martin Bagangele, délégué général à la Sûreté nationale, a choisi de souscrire aux conclusions de la séance de travail du 4 septembre 2019, le patron de la gendarmerie nationale, Galax Etoga, se dit quant à lui prêt à rencontrer le Conseil de l'Ordre des avocats pour faciliter l'exercice de leurs activités. Et qu'il en soit, c'est tout à l'heure la grande édition d'information de 20h présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après, ce sera le débrief. Et maintenant, Madame, Monsieur Saint, le fait du jour. Réponse à la résolution du Conseil de l'Ordre, certaines administrations traînent pour en parler. Je suis en plateau ce soir avec Maître Fabien Kenyé. Bonsoir Maître. Bonsoir Serge Alain. Voilà, bienvenue sur le plateau, avocat au barreau du Cameroun. Merci bien. Maître proche du MRC, c'est bien cela. Oui, en toute honnêteté, oui. Voilà. Plus seulement. Bonsoir Serge Alain, comme je le disais tantôt. Bonsoir chers téléspectateurs. Chers panélistes, oui, merci. Voilà, vous êtes mis à côté de Samuel Maud du RDPC. J'espère que ça va bien se passer jusqu'à la fin. Bonsoir Serge Alain, avec nous, oui, avec moi. Et entre républicains, ça se passe tout très bien. J'espère effectivement qu'il est venu avec de très bonnes inspirations. Si c'est inscrit dans la coordination des complotistes en colère, effectivement, je ne suis pas sûr que ça va très bien se passer. Mais je crois que c'est quelqu'un de très bonne volonté. J'en profite également pour saluer vos téléspectateurs, ainsi que l'ensemble des panélistes avec qui j'aurai le temps de discuter tout à l'heure. Docteur Luzon et Somba, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Je voudrais respectueusement saluer les autres copanélistes avec lesquels nous allons certainement éclairer la lanterne de nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Ok. Enseignant de droit, le droit public l'université de Douala. C'est bien ça. Voilà, docteur Luzon et Somba. Juste à côté de lui, maître Augustin Guefa. Bonsoir maître. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les frères copanélistes. Nous aimons très bien notre pays, nous sommes tous républicains. Chacun à sa manière se déploie pour que les jours sombres soient plutôt une histoire, un passé déjà oublié. Bonsoir à Fongo Tongo, bonsoir à mes parents. Merci. Ok. Maître Fabien Kemeni, je commence par vous. Le 4, il y a eu cette réunion des différents maillons de la chaîne pénale. Et le lendemain, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, a commencé par montrer quelques signes. Serge Alain, vous me donnez là l'occasion de saluer à sa juste valeur cette sortie du barreau, oui, qui est arrivée de manière circonstancielle à pronommer, qui a remis au bout du jour ce que c'est que l'avocat, en montrant la face du monde, le visage hideux de l'administration de la justice en termes de violations renouvelées et répétées des droits de l'homme. Nous avons aussi, je dois le dire, saluer à sa juste valeur, la réaction spontanée du ministre délégué chargé de la justice,
qui a convoqué la réunion qu'il a instamment présidée, et au sorti de laquelle un certain nombre d'intentions ont été arrêtées, intentions qui ont débouché à un communiqué qu'il a pris demandant aux différentes autorités qui interviennent dans la chaîne de la justice de bien vouloir prendre en compte ces revendications des avocats. Je l'ai vécu à l'orée quand je me suis rendu à la prison principale de Kodengui où j'ai rencontré le professeur Maurice Kamto, dont je suis par ailleurs le conseil en vue de son procès qui devait avoir lieu le lendemain. Je dois vous avouer que j'ai été bien. Vous rendez à la prison principale de Yaoundé le 5 septembre. Le 5 septembre, oui, tout à fait. La veille du procès. Je me suis rendu compte de cette résolution du barreau, oui, ainsi que la réaction du ministère avait eu un effet. Un meilleur écho, oui, puisque j'ai été bien reçu, contrairement à Maître Alice Com, à qui il avait été demandé une lettre de constitution, tel n'a pas été le cas pour ce qui me concerne. Toujours est-il que j'ai rencontré effectivement le professeur Maurice Kamto, mais le lendemain, j'ai aussitôt déchanté. Parce que, comme vous le savez, l'un des habitués de ce plateau de télévision, le bon Datra, a été arrêté et gardé au 7. D'après les informations que j'ai pu recueillir, jusqu'à ce matin, c'est-à-dire du 6 au 9, oui, il n'a pas eu droit à l'assistance d'un avocat. Oui. Par la suite, il a été déféré au tribunal militaire. Et du tribunal militaire, les avocats ont essayé en vain. C'est des informations que j'ai reçues de rencontrer le commissaire du gouvernement jusqu'à ce que je vienne dans vos studios. Je ne sais pas ce qu'il en a été. Vous voyez donc tout espoir qu'on a pu avoir à travers cette sortie du ministre est aujourd'hui à remettre très fortement en doute. Justement, Samuel Maud, comment comprendre que ces bonnes intentions, il y a eu cette réunion du 4 septembre et le 5, le ministre Laurent Issa a commencé, hein, le 6 également, mais subitement, le jour de l'ouverture, des Camerounais sont encore interpellés. Angelbert, le bon Datua, pour ne pas le nommer. C'est pour ça, effectivement. Je me suis mis à sourire quand il a commencé à intervenir, à me dire, pour moi, pour une fois, le MRC et moi, nous allons nous entendre. Parce qu'effectivement, il a tracé un porté assez élogieux de la promptitude du gouvernement à pouvoir en prendre à bras le corps ce problème-là. Là également, à la face du monde et devant les caméras. Parce que très souvent, on a souvent passé à parapet et profil la réactivité du gouvernement. Cela dit, cette réactivité ne veut pas dire effectivement qu'après qu'on a réagi sur tel ou tel phénomène, c'est la porte ouverte à l'ensemble de l'offre de débordement. On s'inscrit dans un cadre dans lequel on discute éventuellement. On se remet également dans un cadre totalement républicain et dans le cadre des lois et des règlements du pays. Et à ce moment-là, les gens commencent à agir. Si se met dans l'hypothèse où ils pensent que parce que à un moment donné, les avocats se sont mis en ébullition, à ce moment-là, ce sera la porte ouverte à tout. Je pense qu'effectivement, en tout état de cause, il déchantera. Mais nous restons froids dans le cadre des canevas qui sont tracés par la République. Effectivement, il n'y aura pas à ce moment-là d'anicroche et tout ira dans le bon ordre. Je pense également, nous sommes rentrés dans un monde dans lequel la défiance est de plus en plus inscrite comme étant un mode de fonctionnement. Non, quand on défend son pays, quand on est fier de son pays, la première chose que l'on, même si elles sont mauvaises très souvent, elles sont décriées, elles sont les rois de la République et je pense quand même qu'il faut les respecter. Le cadre dans lequel, là, je pense que tout au moins ce que j'attends de sa part, c'est le droit de réserve. Parce que pour le moment, le bon droit de choix qui est par ailleurs mon ami, on ne sait pas dans quel cadre il a été arrêté. On se renseigne d'abord, on voit dans quel, si les conditions de son arrestation ont été respectées, si également les conditions également dans lesquelles... Mais c'est depuis vendredi. Oui, c'est depuis vendredi, mais là également... J'imagine bien, mais vous pouvez également comprendre que les gens aussi qui agissent de l'autre côté ont à cœur de respecter les lois et les règlements de la République. Et donc quand on l'arrête dans ces conditions-là, vous ne savez pas dans quel contexte il a été arrêté. Je souscris absolument dans le sens de son cri de cœur qu'il lance aujourd'hui, parce que contrairement à ce que les gens pensent également, les mouvements d'humeur sont un indicateur de la gouvernance d'un pays. Si les gens sont très silencieux, y compris à subir les pires atrocités, ce n'est pas le cas du Cameroun,
la République ne fonctionnera pas très bien. Vous voyez très bien que lorsqu'il y a un certain nombre d'informations qui remontent, le gouvernement n'est pas en charge. Maintenant, nous sommes dans le cadre d'un problème qui a été posé. Il y a des débuts de solutions qui ont été apportées. On verra dans quelle mesure on pourra résoudre. Mais nous devons prendre à cœur le fait que nous sommes dans une période assez sensible et que l'effort des uns et des autres est demandé, y compris également dans la tolérance, dans l'idée qu'on puisse être résilient face à un certain nombre de difficultés qui puissent se poser à nous au quotidien. Et dans ce cadre-là, on aura plus la République. Et je voudrais terminer là-dessus, Serge Alain Otou, si la République fout le camp, nous sommes tous en danger. Docteur Luzon Isomba, vous avez appris tout ce qui se passe. Il y a eu le 31 août cette résolution, hein, coup de gueule, on va le dire comme ça, des avocats. Réaction prompte cette réunion du 4 septembre et le lendemain, le ministre d'État chargé de la justice, Laurent Esso, a commencé à instruire les délégués régionaux de l'administration pénitentiaire, les présidents, les procureurs généraux. De son côté, ça commence à bouger. Serge, je dois peut-être commencer par faire une précision. Vous savez, dans un État bien organisé, vous avez une hiérarchie. Oui. C'est-à-dire qu'on commence par l'éducation. Après l'éducation, c'est la justice. Après la justice, la santé et peut-être l'agriculture. Vous comprenez donc que dans certains pays asiatiques, quand vous êtes par exemple docteur en médecine, vous êtes peut-être docteur d'université ou vous êtes avocat, on peut modifier jusqu'à votre acte de naissance et on modifie même votre carte d'identité. C'est pour tracer le sillon pour indiquer à quel point, combien, à quel point la fonction d'avocat joue un rôle de première importance dans un État. Et je pense que on doit aujourd'hui féliciter la réaction, la prompte réaction du gouvernement. On a vu comparativement à ce qui a généré aujourd'hui la crise anglophone, on avait vu que l'État avait quand même une attitude flegmatique. Mais là, on a vu un gouvernement qui a pris à bras le corps la question des avocats, parce que c'est une question importante. Et j'ai suivi avec beaucoup d'attention les propos du ministre de la Justice, Garry Desceaux. C'est vrai que c'était un peu des propos qui étaient un peu d'ironie, parce qu'il est revenu sur quelques expressions en disant j'espère qu'ils sont juristes, j'espère qu'ils sont juristes. Et moi, ça m'a permis quand même de comprendre que la répétition virait un peu au mépris. L'insistance oui. Virait un peu au mépris parce que le ministre de la Justice Garry Desceaux n'a pas besoin de se mettre à cet état. Il a tellement d'expérience, il a tellement de savoir, il a été magistrat. Et je pense que pour un problème comme celui-ci, il faut le prendre au sérieux et éviter tout ce qui peut aboutir à des interprétations un peu comme celle que je suis en train de faire. Mais on doit ici, et ça mérite d'être souligné avec ferveur et force, féliciter monsieur le délégué de la justice, délégué monsieur Jean de Dieu Momo. Je pense que ces réflexes d'avocat ont peut-être, pour ma part, contribuer à la résolution, à une amorce de résolution de ces problèmes. Donc moi, je pense pour ma part que c'est ce qu'on attend d'un gouvernement lorsqu'il se pose un problème comme celui-ci où des avocats font des revendications légitimes. Mais est-ce que le gouvernement devait être, il peut aussi anticiper? Oui, l'anticipation vient très généralement quand il y a des pressions. Parce que moi, je sais que notre État... Parce que tout ce que les avocats relèvent là, c'est pas nouveau. Oui, c'est pas nouveau. Je pense qu'il y a déjà eu des telles sorties à l'avance. Oui. Mais celle-ci, vous savez, le contexte, décline à une interprétation forte. Parce que vous avez suivi, nous avons lu les journaux. Il y a certains qui estiment, par exemple, que c'est une récupération, c'est une manière de déstabiliser l'État, que je dis non. Parce que je vais souvent indiquer aussi que le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Si à un moment donné, il y a des revendications qui se veulent légitimes, comme c'est le cas aujourd'hui, je pense pour ma part que la réaction de l'État, comme on a vu, mérite d'être saluée. Et c'est pour ma part, c'est pour moi l'occasion de dire encore une seule chose, c'est que lorsque une justice va mal dans un pays, ce qui est évident, c'est que même sur le plan du développement économique, parce que vous allez voir encore qu'un investisseur ne viendra pas au Cameroun, mettre des milliards à mettre une entreprise en place et être floué par des gens et savoir que plus tard, ces gens ne seront jamais arrêtés. Donc, la justice est un élément et joue un rôle de première importance, comme je l'ai dit, surtout même sur le plan économique, laissons d'abord sur le plan social, laissons sur les aspects de la défense, un procès équitable, ainsi de suite. Mais je pense pour ma part que la réaction de l'État mérite d'être saluée.
Une petite précision, c'est d'Alain Moutou. Tu faisais allusion de la déclaration du ministre d'État. Je pense que la déclaration, elle est vieille. Hein. Celle de, j'espère qu'ils sont des juristes. C'est une vieille déclaration qui a justement été remise au bout du jour, tout simplement. Mais est-ce que ça, vous n'avez même pas besoin? Je devais là aussi. Oui. Je vous dis, effectivement, là aussi, il y a un canevas qui est tracé pour pouvoir faire grève. À partir du moment où on sort de ce canon-là qui a été tracé, défini par tout le monde et accepté de tous, effectivement, ça peut donner lieu à un certain nombre de propos. Dans le cadre, effectivement, de ces propos-là que vous voulez mettre au bout du jour, effectivement, il se passe tout simplement que les canons officiels n'avaient pas été respectés. Effectivement, mais on reviendra là-dessus, parce que là, il a voulu faire un parallèle entre les deux. Restons dans le cadre actuel, parce que ce qui nous concerne, c'est le cadre actuel. Ok, Maître Guéphan, pour revenir à Gerbert Lebontatchouan, oui. Tout s'est passé vendredi et jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous avez assisté déjà? Parce que comme le dit le communiqué du ministre Jean de Dieu Momon, le droit au conseil est un droit fondamental garanti par la Constitution que par les instruments juridiques internationaux des droits de l'homme. Le Code de procédure pénale a aménagé ce droit dès la phase d'enquête à travers l'obligation pour l'officier de police judiciaire d'informer tout suspect de son droit à être assisté par un conseil à peine de nullité de son procès verbal. Serge Alain, je commencerai par un constat. La situation que nous vivons actuellement, je peux résumer avec une simple phrase. Droit de l'homme et droit pénal au Cameroun entre le 1er janvier 2018 et le 9 septembre 2019. Quel bilan? Chacun répondra. Le bilan, il est sombre. Il est très, très sombre. Alors, comment enlever cette couche de poussière sur ce bilan sombre à partir du 9 septembre? Prenons juste le cas des avocats. De toutes les résolutions que les avocats, de toutes les clauses ou bien de tous les greffes que les avocats ont soulevées, quel est le greffe qui a reçu une réponse concrète? Soyons humains, soyons raisonnables. Nous sommes dans une république qui se veut constructive, moderne. Quel est le greffe qui a reçu une réponse positive? Jusqu'à présent, nous sommes dans les pourparlers. Nous sommes dans des projections. Nous sommes dans des négociations. Nous sommes dans des ententes. Il faut qu'on soit honnête, il n'y a rien à saupoudrer. Nous observons, le barreau a été transparent, a posé clairement ses problèmes, aux problèmes clairement posés. Nous attendons les solutions clairement données. Mais Maître voilà. Kenyé disait tout à l'heure qu'il a quand même pu, hein, il a pu se rendre, il a rencontré le professeur Maurice Kamto. Mon très cher. De l'autre côté, il évoque le cas de Maître Aliscom. Mon très cher Serge Alain. Oui. Pourquoi le ministre de la Justice, ministre d'État, garde des Sceaux, ne peut pas prescrire à son collègue qui gère les prisons de dire expressis verbis que la constitution de l'avocat est une affaire intime entre le client et l'avocat? Que vient faire le régisseur qui réclame la lettre de constitution? Même devant les juridictions, la loi interdit le magistrat, je commence, le magistrat n'a pas le droit de me demander où est la lettre de constitution. Il n'y a que mon client pour se mettre, pour s'immiscer dans ce contrat. Le magistrat est tiers à la relation. Dès que moi je me présente en prison, la seule chose, il m'identifie. Qui est-ce que vous voulez voir? Je donne le nom, il va voir le concerné. Est-ce que vous reconnaissez tel? Oui. Est-ce que je peux le faire entrer? Oui, c'est tout. Il n'a pas à me dire d'afficher sur son babillard ma lettre de constitution. Non. Il ne doit pas dire à ses amis que je suis l'avocat de tel, parce qu'il n'est pas sûr que mon client accepte que je dois, que je m'affiche publiquement comme son conseil. Nous attendons que ce soit transparent. De deux, si vous voulez que je revienne sur le cas de Lebondatchoua. Oui, Angelbert Lebondatchoua, autant pour moi. Moi, je pense qu'il s'agit de la provocation. Comment vous, ça? Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Il s'agit de la provocation, ce qui s'est passé vendredi. Venir l'appréhender, ce qui suppose qu'on a esquivé le cadre de la convocation que le commun des mortels connaît, puisqu'il a un domicile connu. Pourquoi l'attendre au palais de justice pour venir
le brandir. Parce que venir le sortir au milieu de la masse, c'est de le présenter sous un jour qui n'est pas le sien. Si le lendemain, il est déclaré non coupable pour ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on aurait fait? Pourquoi ne pas le convoquer à telle date qu'il se présente en citoyen, en républicain, encore qu'il n'a jamais fui, qu'il vienne répondre calmement à ces convocations? Quelle est cette gymnastique à vouloir à tout prix humilier les gens? C'est comme à une époque où, pour arrêter un ministre qui sort de son bureau, on présente les caméras jusque sous ses toilettes et le lendemain, on se retrouve... Non, il faut que ça cesse. C'est de ça qu'il est question. La justice ne doit pas s'offrir en spectacle. C'est un spectacle qui s'offre que la justice camerounaise nous offre. Il faut arrêter. Et c'est l'objet du cas de c'est l'objet essentiel, c'est la pièce maîtresse que revendique et que soutiennent tous les avocats. Jusqu'à présent, je ne vois pas un seul, fût-il de tel ou tel parti politique, qui a levé le doigt pour dire « je me désolidarise ». Ça veut dire que nous faisons chorus pour dire « non, il faut qu'à un moment donné qu'on arrête et que tout soit clair ». Voilà un peu ma contribution. Maître Kenyé, pour vous, ce qui s'est passé vendredi, c'est une violation, spectacle comme, par rapport à Angelbert, le bon d'adjoint, un spectacle dont on aurait pu se passer. Bien entendu. On a vu Angelbert pas sur les plateaux de télévision. On aurait pu effectivement s'en passer, parce que tel que vous le savez, c'est un monsieur dont le domicile est connu, qui avait déjà été arrêté, précédemment arrêté, gardé, avant d'être relâché. C'est incroyable. Voyez-vous, chaque fois que sur un plateau de télévision, on fait des reproches à l'État du Cameroun, dans ses institutions, surtout judiciaires. Le DPC prend toujours celui de défendre l'État, comme si l'État était confondu au RDPC. Lorsque le barreau du Cameroun prend position, il ne prend pas position par rapport à la politique. Il prend position par rapport à son rôle de garant des libertés, du défenseur des veuves, de la veuve et de l'orphelin. Je suis un orphelin. C'est de ça qu'il s'agit. Merci bien. Donc nous avons pris position pour vous. Vous devez nous dire merci. Merci bien. Pour le reste, je voudrais vous dire, lorsque moi j'ai lu ces résolutions du Conseil de l'Ordre, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est le fait de dénoncer que des Camerounais comparaissent nus devant des tribunaux et que des magistrats en soient insensibles. On se demande dans quel monde on se trouve. C'est comme si nous étions dans une jungle. Voyez-vous, dans le cadre de ces arrestations, ou dans le cadre de ces procédures judiciaires, vous avez des magistrats qui sont saisis des dossiers, des procédures, qu'ils ont ouverts pour information. L'administration prend sur elle de venir extirper des citoyens entre les mains de la justice pour prendre sur eux des arrêtés de garde à vue. On ne se croit pas dans un pays. Maître Kenyé, vous permettez, vous avez parlé de ces comparitions des détenus nus aux audiences publiques. Justement, dans le communiqué sur les réponses légales à certains griefs contenus dans la résolution du Conseil de l'Ordre, ce communiqué signé du ministre Jean de Dieu Momon, il dit « Cette allégation est discutable, car un seul cas d'un prévenu se présentant torse nu a été signalé, et celui-ci arguait que ses co-détenus lui avaient dérobé ses vêtements. » Jean de Dieu Momon, dans le communiqué. Voyez-vous, dans cette île d'information... Un seul. Dans cette île d'information... Vous avez pris un seul information, cas, vous avez un exemple d'information qui est connu de tous. Vous avez une voix dissonante qui vient du gouvernement. Ça ne leur apporte rien du tout. Cela est incontestable. Vous avez vu la cruauté avec laquelle le premier vice-président du MCAT a été torturé. C'est au-dessus de l'entendement humain. On se pose la question de savoir si c'est des êtres humains qui procèdent à ce genre de pratiques. À ce genre de pratiques. Vous voyez dans le comité du ministre, oui. Il fait bien de viser les traités époque internationaux que le Cameroun a librement ratifié. Il demande aux gens chargés de la justice de les respecter. Le Cameroun, voyez-vous, a les meilleurs textes de loi. Toutes les bonnes intentions du monde. Le problème qui se pose, c'est l'implémentation ou l'application de ces textes de loi sur le terrain. Et le même État est insensible parce que
Vous journalistes, lorsque vous décriez toutes ces exactions, l'État ne réagit pas. Ces gens qui posent ces actes, ils peuvent répondre ou ils devraient répondre individuellement. Mais c'est terni l'image de l'État. Comme le docteur l'a dit tout à l'heure, ne voyez pas à travers tout simplement ces actes une volonté, je ne sais pas, de nuit ou de c'est une volonté de nuit. Le problème de la fréquentabilité du Cameroun se pose. Tel qu'il a dit, parce que quand l'investisseur vient ici, il doit s'assurer que l'État où il va est tout au moins respectueux des règles qu'il s'est lui-même prescrites. Et cela impacte même aussi sur le tourisme. Le touriste qui vient au Cameroun doit préalablement savoir si nous avons affaire à un État de droit. Et ça passe parce que le barreau dénonce. Qui plus que le barreau? Qui plus que le barreau est patriote que l'État dans cette circonstance-là? Parce que les gens du RDC vous objecteront toujours qu'on a fait ci, on a fait ça. Le RDPC n'est pas l'État. L'État n'est pas le RDPC. Il faut savoir, les hommes d'armée font la part des choses. Ok. Oui. Sauf que. C'est jamais. Oui. Sauf que. Oui, rapidement. Bah, allez-y, oui. Je vais vous poser une question. Je suis très fier de savoir que vous avez pris cette position relative du ministre délégué. Oui. Qui explique que. Il y a eu un seul cas. Un seul cas. Des détenus comparaissant nus. Oui. Nus. Se présentant torse nu. Oui. Moi, je suis très flatté parce que je veux bien que le même ministre, le lendemain, nous dise que les procédures qui ont commencé au CET, qui ont commencé au GSO, et dont les avocats n'ont pas eu accès, voilà. Et dont les mises en cause, les prévenus détenus ou bien les mises en cause ont été torturés. Qu'ils disent Mondo Vision, quel ressort qui est réservé à tous les actes qui ont été posés dans ces conditions. Il faut qu'il ait le courage. S'il veut aller au détail, alors qu'il détaille tout. C'est de ça qu'il est question. Oui. Nous avons posé une série de griefs. S'il veut aller au détail, qu'il détaille et justifie tout. Qu'il commence par le commencement. Okay. Au CET, nous avons eu l'interdiction d'accès, d'assister nos clients. Pendant cette interdiction, des actes ont été posés. Qu'allons-nous, qu'attendons-nous de ces actes? Qu'est-ce que lui, il fera de ces actes? Je crois qu'il donnera les instructions. S'il se veut régalien, s'il se veut républicain, il dira à ses magistrats, ces actes sont nuls. Et c'est lui-même qui a cité encore dans son communiqué les articles 3, l'article 3 du Code de procédure pénale. Il faut que que cet article soit appliqué stricto sensu. Serge Alain, voilà. Voyez-vous, et pour terminer sur ce point, au moment où nous sommes en train de viser ici, Mamadou Mota est condamné à 2 ans d'emprisonnement. À la suite de la mutinerie qui a eu cours dans la prison de Kodengui. Oui. Les violences, les sévices corporels dont il a été victime, on n'en fait pas cas. Les auteurs de ces sévices dorment tranquillement chez eux. Ils sont allés à l'école prendre leurs enfants. Ils leur ont acheté le yaourt en route. Pendant ce temps, c'est une pure vérité. Aucune de ces personnes ne se trouve en prison. Alors, je vous parle, il est en prison. Le voilà. Ok, docteur Luizon et Soumaro, on parlait de toutes ces administrations-là, comme dit la thématique, qui traînent. Hein, parce que, entre autres constats, dans la résolution du Conseil des avocats, on parle de l'obtention des aveux par la torture et le dol. Jusqu'ici, le secrétaire d'État en charge de la défense, la gendarmerie nationale, n'a pas encore fait une véritable sortie pour construire toutes les unités de gendarmerie par rapport à ce que les avocats demandent. C'est un peu regrettable. Comme on dit, le ministre de la Justice est en train de bouger un peu, mais on attend toujours Martin Baganguele et Galas et tout. Oui, je pense que c'est un peu regrettable. Comme nous savons que le gouvernement est pris de deux principes, le principe de la solidarité et de la collégialité. Donc ça devait suivre. Oui. Quand le ministre de la Justice, justement, a lancé les hostilités, les autres administrations devaient nécessairement l'accompagner, oui, pour que les résolutions puissent tomber en temps réel. Vous savez, on a toujours un problème parce que lorsque
des revendications sont posées et on prend assez de temps pour essayer de réagir et à un moment donné, ça peut procéder au pourrissement de la situation. Moi, je pense que le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, d'ailleurs, qui sur le plan politique est un monsieur puissant parce que ministre d'État, vous savez, ils sont pas très nombreux. Donc, cela veut dire qu'il devait donc utiliser cet impérium politique pour essayer de mettre la pression sur les autres administrations pour qu'ensemble, ils concourent à la résolution des problèmes qui sont, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, qui sont des revendications légitimes. Je vais vous prendre un exemple. Moi, je ne suis pas avocat. Je suis allé rendre visite à un ami qui est incarcéré ici à Nouvelle. Mais je ne peux pas vous dire ce que j'ai subi. Et je l'ai dit ce matin dans une radio, surtout avec le grand frère. Mais vous êtes à l'entrée, on vous dépouille de tout, et de téléphone, et de votre porte-monnaie. Et même quand vous y entrez, je vous jure, étant à l'intérieur de la prison, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire que pour que le monsieur que Patrick Jeux puisse arriver à votre niveau, je ne vais pas le dire ici, mais il faut le dire parce que j'ai pu dépasser 10 000 pour qu'on me fasse venir le monsieur. C'est un autre monde, c'est un bon avocat. Je ne suis pas avocat. Donc je le dis parce qu'un témoin vivant d'une situation que personnellement j'ai vécue. Merci. Vous voyez, ça veut donc dire quoi? Très simplement, c'est que. C'est quand même, ça a été une ligne rouge qui ne méritait pas. Je crois qu'il n'y avait pas mieux que les avocats pour pouvoir mettre ce problème à la table. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, que l'État n'attende pas longtemps, que les résolutions suivent et qu'on ne reste pas dans des mesures cosmétiques qui vont, à un moment donné, permettre toujours de faire stagner la situation pour que rien n'avance. Okay. Je vais ajouter quelque chose, oui, s'il vous plaît. Oui, avant je parle sous le contrôle de Monsieur Samuel Motte, si je dis ce qui heurte la République, que nous aimons tant, vous me stoppez. Voyez-vous, au 7, un parti politique a été obligé de donner le communiqué selon lequel certains de ses membres seraient décédés au 7. Vous savez qui a aidé ce parti politique à retrouver ces messieurs embrigadés là-bas? C'est le ministre délégué de la Justice qui a fait un post sur Facebook pour dire: vous cherchez ce monsieur, le voici en photo avec moi. Il est vivant. Parce que. Permettez que je finisse. Nous, c'est comment ça se désagréable. Afin que vous compreniez. Afin que vous compreniez. Non, il m'a demandé. Je vous ai demandé la parole. C'était votre tout, j'ai demandé la parole. Vous m'avez laissé faire. C'était votre tout, j'ai malade, vous m'avez laissé faire. Vous voyez jusqu'à quel niveau? Quel est le pouvoir qu'il fallait obtenir pour franchir le 7? C'est-à-dire que la famille de ce monsieur, pour être un peu calme, pour dire est-ce qu'il est vivant, il n'est pas vivant, croyons au ministre délégué, il poste sur Facebook « Here he is ». Vous voyez, la dangerosité, c'est ça. Dites donc à ce ministre qu'à partir de son poste-là, que lui-même insulte au magistrat que non, c'était trop annulant. C'est tout. Okay. Vous restez tout. La dangerosité dans ce genre de choses, c'est la surenchère. Oui. Et quand on prend des exemples isolés pour les montrer en épingle en disant voilà la République, on est dans la surenchère. Voilà. Et là, il faut éviter toute forme de surenchère dans la République. Et quand on a quelque chose à discuter, on le discute avec l'esprit libre. Dépouiller de toute autre forme de considération, mettre qu'il y ait dans la surenchère. Parce que ce soit, j'insiste encore une dernière fois, que ce soit le bon droit, y compris le docteur Souba qui me surprend. Il y a des attitudes, très souvent, qui nous sont dictées par l'environnement, qui nous sont dictées par les événements. Je vais prendre un cas qui est totalement aérien, comme ça au moins, ça va être débarrassé de toute contingence locale. Avant les attentats, lorsque vous partez prendre votre avion, quel que soit le pays, vous passez comme c'était un poisson dans l'eau. Aujourd'hui, il arrive souvent qu'on vous demande de vous déshabiller pour la sécurité de tout le monde. On peut également vous demander de vous soumettre à un certain nombre de craintes pour éviter qu'il y ait quelque chose de plus préjudiciable qui puisse nous arriver parce que nous vivons dans une société dans laquelle il y a une communauté de biens, il y a une communauté d'existence, il y a beaucoup de choses qui sont en partage. Donc très souvent également, on peut nous astreindre à faire un certain nombre, peut-être désagréable pour certains d'entre nous, peut-être même pour nous tous, mais l'environnement est tel configuré tel que on ne peut pas faire ça. Et dans le cas où on ne peut pas faire ça,
Il faut éviter la surenchère. Cette façon de raisonner là par l'exemple, en disant à partir d'un exemple, je peux généraliser, ce n'est pas la mienne. Parce qu'elle pense qu'elle manque de pertinence, elle parle de forme même de logique. Et pour cette raison-là, je souhaiterais que lorsqu'on rentre dans ce cadre-là, que l'on reste froid. Parce que là également, ils sont en train de tirer des conclusions qui sont à milieu de la réalité. Ce n'est pas parce que nous avons vu circuler sur Internet un certain nombre de correspondances, sur des dispositions qui auraient été prises par un certain nombre de ministères, que l'on peut tirer la conclusion que les autres ne bougent pas absolument. On ne fait pas les correspondances par voie d'Internet. Je sais très bien que WhatsApp fonctionne aujourd'hui, mais aujourd'hui là, on n'est pas en mesure de faire une évaluation sérieuse pour pouvoir savoir qu'est-ce que les uns et les autres font dans leur ministère. Donc arrêtons de tirer des conclusions. Mais là encore, Serge Alain, vous-même, vous aggravez votre cas, parce que la thématique de votre mission, c'est que pourquoi c'est les autres administrations traînent. Oui, on peut comprendre. Très bien. Les autres bouges, le meilleur moyen, attendez, Serge Alain et Otou. Le meilleur moyen d'évaluation que nous avons aujourd'hui, c'est que le Conseil de l'Ordre se réunisse et qu'ils disent oui, qu'ils disent effectivement, sur la base des décisions que nous avons eues il y a une semaine, nous nous sommes réunis. Et d'ailleurs, je crois même qu'ils avaient pris la promesse de se réunir. Nous nous sommes réunis et évaluation faite, voilà là où on en est aujourd'hui. Il y a telle ou telle chose, telle qui a été prise en compte, telle autre n'a pas été prise en compte. Mais vous esquivez absolument. Par ailleurs, je vous signale que lorsqu'on discute, on n'est pas en situation de donner des injonctions aux autres. On va discuter en espérant que, s'étant assis sur une table de discussion, on peut trouver une solution qui arrange tout le monde. On ne va pas faire des injonctions à la partie adverse, si tant est qu'il soit qu'il y ait des parties adverses dans la République. Mais là également, il y a un certain nombre d'alliances qui ont été soulevées, pour lesquelles on apporte des solutions. Je me rappelle une des conclusions, un des mots forts, lorsque cette réunion-là du 6 s'est achevée, on était tous... La réunion du 4. Du 4, voilà. On était tous anxieux de savoir qu'est-ce qu'il en ressortait. Bien entendu, il y a eu un communiqué qui a été lu, mais il y avait quelque chose qui est resté en suspens. Est-ce qu'on lève, oui ou non, le mot d'ordre de grève? Ce que j'ai compris de discussion, c'est que le Conseil de l'Ordre a dit, le barreau a dit, paralysme de forme, étant entendu que c'est un conseil qui a pris l'ensemble de ses résolutions, nous allons nous mettre en conseil également pour pouvoir savoir si nous levons le mot d'ordre de grève. Pourquoi est-ce que vous, Serge Alain Otou, vous ne posez pas la question de savoir quand est-ce que ce conseil de l'ordre-là est prévu pour qu'on puisse savoir si le 16 ou après le 16, on fera grève ou pas? Pourquoi est-ce que vous renversez toujours le rôle en disant pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas fait ceci? Le jour où le gouvernement s'affaisse, le jour où la République... Est-ce que c'est ce que je dis? Je dis ce que le ministre d'État Laurent Esso a fait. On pose la question de savoir... Pourquoi est-ce que les autres administrations traînent? Oui, oui, c'est visible, non? Est-ce que nous inventons? Mais ne vous fâchez pas. Non, on n'invente rien. Ne vous fâchez pas, moi, je ne porte pas d'accusation. Non, vous portez des accusations. La thématique de l'émission... Pourquoi les autres? Certaines administrations traînent. La thématique de l'émission, c'est Jalen Gautou. Elle est sur WhatsApp, elle est vérifiée. Oui. Et là également, ça a été répété tout à l'heure. On ne sait pas pourquoi il y a deux ou trois ministres qui ont réagi et pourquoi les autres ne réagissent pas. Oui. Ce sur quoi je réponds, on n'en sait rien du tout. La meilleure information qu'on peut... Vous croyez que les choses se cachent encore aujourd'hui avec le réseaux sociaux? Vous croyez que les choses se cachent? Bon, maintenant c'est votre administration à vous. Oui, c'est de penser que... C'est de penser que tout va se faire sur WhatsApp, c'est non, pas la mienne. Non, c'est pas les correspondances que nous avons sur WhatsApp aujourd'hui, c'est des correspondances officielles, incidentes. Nous voulons le dire. C'est des correspondances incidentes. Et sur la base de correspondances incidentes, on ne peut pas tirer une conclusion. C'est mon point de vue. Mais je dis tout simplement, en ce qui concerne, si nous voulons être républicains, évitons toute forme de surenchère. Parce que la surenchère, elle est pernicieuse. Elle nous conduit à nous perdre davantage. Dans le cadre de la crise du Nozo, c'était la surenchère. Et continue à dire encore aujourd'hui, ça a toujours été la surenchère. Si nous voulons inscrire le mouvement actuel, pour lequel on pense effectivement que c'est un mouvement citoyen, personne ne le discute. À condition que l'on reste dans le canevas en disant, nous avons mis sur la table un certain nombre de revendications, de doléances, à la limite appelons sa revendication,
Nous attendons à ce que ces revendications-là puissent être traitées de manière convenable. Et encore pour une dernière fois, quand vous citez la litanie de ces revendications-là, vous allez bien voir qu'il y en a un, il y en a certains qui s'inscrivent dans la durée. Et donc, on ne vous dira pas aujourd'hui que les comportements des uns et des autres peuvent changer. Et donc, si on était vraiment dans les très bonnes dispositions d'esprit, on dirait, étant entendu que nous avons discuté en gentleman, on va prendre l'administration au mot. Ils sont engagés à faire ça, à faire ça, à faire ça. Donnons-nous 3 mois, 4 mois, 6 mois pour pouvoir évaluer. À ce moment-là, on verra si ça va changer. Mais ce que nous a été dit, et je voudrais insister là-dessus, nous attendons encore, mais ce serait bien également que l'ensemble des républicains qui sont sur le tableau, le plateau, disent, nous sommes encore en attente du Conseil de l'ordre qui va éventuellement ou non lever le mot d'ordre de grève. Et ça également, c'est une revendication, vous ne pouvez pas me l'enlever de la bouche. Ok. Je crois qu'il faut qu'on rétablisse un peu un certain nombre de choses. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Laurent Esso, a instruit les procureurs généraux près des cours d'appel un libre exercice de la profession d'avocat dans les cours et tribunaux. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a instruit les délégués régionaux d'administration pénitentiaire pour un libre accès des avocats dans les prisons. C'est ce que nous disons. Merci. Nous attendons que le délégué général à la Sûreté nationale fasse de même, ainsi que le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie. Oui. C'est ça l'objet. Ce sont ces deux administrations qui traînent. Merci. C'est ça l'objet du débat. Saint-Jalin, si vous me permettez, vous aurez constaté que la correspondance du secrétaire général chargé de la police adresse ses conclusions au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Cette précision vaut la peine. Le délégué général, le 6 septembre, le délégué général au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Objet, conclusion de la séance de travail tenue le 4 septembre au ministère de la Justice entre l'administration et les avocats. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je souscris aux conclusions de cette séance de travail. Je tiens à préciser que la Sûreté nationale est toujours restée ouverte aux sollicitations des avocats et ne ménage aucun effort pour faciliter l'exercice de leurs activités au niveau des unités de police et auprès des officiers de police judiciaire. Cela dit, lorsque nous venons sur ce plateau, c'était pour parler du droit. Que le RDPC vous dise qu'ils ont pris les résolutions du bâtonnat ou des avocats en compte, et que sa attitude pour nous est regrettable. Nous demandons tout simplement l'application des règles législatives du code de procédure pénale qui est entré en vigueur depuis belle lurette. Peut-être du côté du RDPC, on ne le sait pas. Okay. Mais vous savez, j'allais, si vous me permettez, pour que je puisse chuter. Le RDPC a pris l'habitude d'être tellement inerte, boulimique, au point où il ne sait même pas pour qui il gouverne. La violation de droit d'un seul citoyen. Ce n'est pas le RDPC. Vous devez mettre l'État en branle. Ce n'est pas le RDPC qui viole. Lorsque vous parlez, vous confondez à l'État. C'est ce que vous avez dit. Non, c'est vous qui faites. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure. S'il vous plaît. La fort regrettable. S'il vous plaît. Par contre, je peux défendre la République. S'il vous plaît. Vous n'allez pas nous empêcher de parler. Ah, mais vous avez l'air de l'abri. De vous départir de vos responsabilités. Vous les rejeter sur les autres. J'étais en train de dire que vous avez été tellement habitué à l'inertie, à la jouissance, à la boulimie, que vous oubliez pour qui est-ce que vous exercez le pouvoir. C'est pour le citoyen lambda. Et j'ai eu à le dire sur ce plateau que lorsque vous ne mettriez pas le citoyen camerounais au centre, l'être humain au centre de vos préoccupations, tant que l'État, je ne parle pas du RDPC pour ce cas d'espèce, tant que l'État ne mettra pas le citoyen au centre de sa préoccupation première, ça ne marchera pas. Il suffit un temps soit peu que les impôts ne soient pas payés par ces citoyens qu'on embastille pour que ces tortionnaires, ces gens qui les torturent, ne soient pas payés. Ok. Vous voulez répondre à Samuel Maud. Oui. La surenchère suppose que, à une réponse donnée, l'adversaire a ajouté. Il faut que ce soit. Mais vous rajoutez avec vos exemples. Allez-y. Tout le respect que j'ai pour vous, je vous ai dit à l'oreille que je ne veux pas me prêter au jeu des autres. Vous m'avez interrompu tout à l'heure, je ne suis pas mort. Allez-y, je n'ai pas alimenté la conversation, maître. Allez-y. Quand je veux vous prendre une minute, je demande. D'accord. Peut-être vous n'écoutez pas, mais je demande. J'étais disant que la surenchère suppose
qu'à une demande formulée, la réponse a été donnée et que le demandeur, au lieu de dire j'acquiesce, dit pour que j'acquiesce, il faut encore. Faire une demande additionnelle. Or, okay. En l'état, il faut être transparent. Le barreau n'est demandeur en rien. Il demande seulement qu'on applique la loi. Okay. Demander l'application de la loi, on ne commande rien, ni au RDPC, ni au RDPC État parti. On demande d'appliquer les lois qui s'imposent à tout le monde. Pour eux, c'est la surenchère. Merci. Madame, monsieur, on va donc observer notre première pause. Le temps de retrouver Cédric Nouféré pour les titres du 20h. Bonsoir Cédric, au sommaire ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de ces décisions de justice qui sont tombées en après-midi concernant le premier vice-président du MRC, Mamadou Mota, et l'un des leaders de la contestation anglophone Mancho BBC, tous les deux condamnés à 2 ans de prison ferme pour rébellion en groupe. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Au moment où cette décision de justice tombe, il y a la multiplication des procès contre des leaders politiques qui inquiètent des gardiens de la tradition. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Ils estiment que le Cameroun régresse, un pays où la classe politique se déchire à cause du pouvoir et des intérêts égoïstes. C'est le regard du roi Sokoudjou à suivre dans le journal de 20h. Nous parlerons également de ces scandales autour des résultats du concours d'entrée à l'ENAM. Des Camerounais sur la toile ont critiqué ces manquements observés autour de ces résultats avec des admis qui se retrouvent dans la liste définitive et dans la liste d'attente. Comment réagissent les Camerounais à la suite de ces résultats dont le ministre de la fonction publique estime que ce sont des erreurs matérielles. Pour autant, les critiques fusent sur le gouvernement et les responsables de l'administration publique. Nous parlerons également dans le journal de 20h des dégâts, des inondations dans le département du Mungo, là où les populations sont confrontées à de graves inondations. Elles expriment leur désarroi dans le journal de 20h. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, fin donc de cette première partie et Équinoxoir. On se retrouve juste après le journal de Cédric Nouféré pour Équinoxoir, deuxième partie, le temps du débrief. Place tout de suite donc, madame, monsieur, au journal de Cédric. Parti, madame, monsieur, si vous nous rejoignez à l'instant, toujours en compagnie du docteur Luison et son boss, Samuel Motte, maître Fabien Kenyé et maître Augustin Guéfac. Maître Augustin Guéfac, on va commencer par cette nouvelle. Le président, comment vous accueillez ça déjà? On sort des canons le 10 février, le 31 décembre. Voilà que le président s'adresse aux Camerounais le 10 septembre. Qu'est-ce qui peut avoir motivé cette sortie du président de la République ? C'est Jalin, il n'est jamais trop tard pour bien faire. S'il sort demain, je crois qu'en tant que Camerounais, je sais qu'il a le bâton magique, il va régler tous ses problèmes. En commençant par ce qui se passe à l'ENAM, je connais son énergie, il dira arrêter. Même si ceux qui l'ont fait vont dire ça fait quoi ? C'est un peu ça ma logique. Maître Kenyé, le président demain, il s'adresse aux Camerounais. Ce que je voudrais dire, c'est qu'enfin le créateur s'est réveillé pour nous dire le temps. Comme vous le savez, son temps est arrivé au niveau où la situation se trouve. C'est tout à fait naturel, il exerce le pouvoir de fait. Il demeure président de la République. De fait, le contentieux électoral n'étant pas encore terminé, il est important de le souligner. Puisque tous les Camerounais l'attendaient, c'est important. Nous pensons, pour ce qui nous concerne, que ce discours, s'il vient de crisper, ou s'il venait de qui que ce soit qui puisse mettre un terme aux souffrances des Camerounais, il ne serait que très bienvenu. Samuel Mot. Un sage probablement parlera demain. J'aurais même souhaité qu'on arrête l'ensemble des débats que nous avons envisagés ici en attendant effectivement cette période-là. Parce que. Comment vous dites qu'on arrête les débats? Non, j'aurais pu faire. L'émission s'arrête maintenant, on lance demain. On peut bien parce que ce qui nous divise ces derniers temps, ce qui nous oppose ces derniers temps, c'est sur quoi nous disons depuis un certain temps pour également trouver des solutions demain. Mais je sais, je vais commencer par vous dire qu'il y a un sage demain qui parlera très probablement.
Je pense effectivement que nous devons être tout pour pouvoir attendre qu'est-ce que nous apporte comme solution à l'ensemble des problèmes que nous avons rencontrés ces trois dernières années. Mais également, en venant sur ce plateau, il y a un ouvrage que je dis ces derniers temps, ce qui porte sur... c'est un ouvrage de Robert Greene qui porte sur les 33 lois de la guerre. Et je me suis intéressé à la loi 17, où il dit notamment, lorsque vous êtes en face d'un ennemi, ne tremblez surtout pas, identifiez l'ensemble des parties qui le composent et essayez de les éloigner les uns les autres. J'ai comme l'impression qu'on s'est trop écartelé ces derniers temps et on rend le Cameroun lui-même vulnérable. Le Cameroun que nous avons en partage, la République que nous avons en partage, si le discours demain peut apporter un certain nombre de solutions à l'ensemble des dissensions ou alors des divergences que nous avons ces derniers temps, ce serait également une très bonne chose. Docteur Lison Issoumba, qu'est-ce que vous attendez du président de la République demain? Je dois vous avouer, Serge, tout que je me rends finalement compte que ma voix devient crédible et audible. Parce que s'il y a un des Camerounais qui est monté sur le créneau tous ces derniers temps et depuis le début de cette crise, c'était justement moi qui proposais au président de la République de faire une adresse spécialement sur la crise anglophone. Je crois qu'aujourd'hui, président de la République... Vous êtes convaincu qu'il va parler uniquement de la crise anglophone demain? Non. Parce que en fait, bon, la crise anglophone est la plus paralysante. Ouais, parce qu'elle paralyse tout sur le plan économique. Et bien sûr, on connaît les retombées qui sont extrêmement difficiles. Je crois que le président de la République va revenir amplement sur cette crise. Il va faire des propositions fortes. Il va certainement... les questions en fait, qui minent le conseil de la société camerounaise, je crois qu'il reviendra sur les grands aspects de cette problématique-là. Et moi, je pense pour ma part que c'était temps. Je crois que Yves Marmoudjo a estimé que les silences du président étaient des actions. Mais moi, je pense que là, véritablement, le président passe devant une action forte. Parce que même la Bible le dit, au commencement était la parole. Et je pense que la parole du président de la République, parce que détenteur du pouvoir politique, détenteur du pouvoir mystique, on l'a vu encore hier, je ne sais pas si vous avez vu les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on lui donnait le pouvoir traditionnel. Donc je crois que le président réunit en lui tous les moyens, que ce soit politique, diplomatique, ainsi de suite, pour pouvoir recadrer l'État du Cameroun. Et je sais, il avait dit par lui-même que reconnaissez en moi celui qui vous a apporté la démocratie et la prospérité. Donc il serait difficile pour le président aujourd'hui de partir du pouvoir et de laisser le Cameroun dans la déchirure de sa société, dans la déchirure sociale. Ok. Sans même autre, on va interroger le timing par rapport à la crise anglophone. Restons là, ça fait quand même 3 ans et les gens lui demandent au président de s'exprimer. Et va s'exprimer sur la crise anglophone. Et bizarrement, je veux dire, il y a des internautes qui me prennent actuellement en gris, qui disent je suis dans tous les médias, mais bien évidemment, quand je suis sollicité, je viens. Je le signale parce que, docteur Issoumba et moi, nous nous sommes trouvés dans un débat ce matin sur l'invitation de Cyril Bojiko et nous avons parlé d'un certain nombre de choses. Et nous avons également parlé de la résolution des crises. Voilà. Ma thèse, elle est immuable. Elle consiste à dire effectivement que il faut attendre le bon moment pour donner les réponses nécessaires. Si des gens dans notre vie pensent qu'à partir du moment où vous avez commencé à faire des invectives, quand vous avez commencé à faire des injonctions, on vous donne ce que vous avez envie qu'on vous donne, on n'est plus dans une situation de négociation. Et effectivement, il y a un certain nombre de solutions qui ont été apportées, mais encore une dernière fois, si nous ne voulons pas être en situation de fragilité personnelle, communautaire, nationale, nous devons savoir qu'il y a des règles dans la République qu'il faut respecter. Et notamment même quand on fait des revendications, ces revendications-là doivent être assises sur ce corpus-là en disant que nous avons la République en partage. Bien entendu, il y a parmi nous des gens qui sont d'un extrémisme absolu. La République n'a pas besoin des extrêmes. La République a besoin d'avoir des négociations au centre de telle manière à ce que nous ayons une vie communautaire apaisée. Et dans le cadre des timings, effectivement, attendons voir ce que le président va dire demain. Mais je pense effectivement que l'État du Cameroun, le gouvernement, a toujours eu des oreilles assez attentives en ce qui concerne l'ensemble des clameurs qui sortent des populations. Et s'il y a des avancées demain, je les saluerai et je les attends avec beaucoup d'impatience. Docteur Lison Issoumba, l'ENAM, encore l'ENAM, un autre scandale à l'École nationale d'administration et de magistrature. Serge, l'ENAM est une école prestigieuse.
elle est prestigieuse et à ce titre, il ne faudrait pas que l'on blague. Vous savez, les mécanismes, ou du moins les conditions d'accès à la fonction publique sont claires. En dehors des autres modes d'accès, c'est-à-dire le recrutement sur titre, par voie contractuelle, par voie décisionnaire, la nomination haute fonction. Parmi ces modes-là, le mode le plus démocratique et qui repose sur le mérite, c'est bien entendu le concours. Et dès lors qu'il y a eu concours, on a même annoncé pour que le mérite soit davantage renforcé, la publication des résultats selon, comment dire, le mérite, parce qu'on publiait par ordre alphabétique, et on ne savait pas précisément qui était le major ou bien. Mais maintenant, ça se publie par ordre de mérite. C'est-à-dire qu'on met 15, 16, ainsi de suite jusqu'au bas de l'échelle. Donc, ça fait quand même mal de savoir que chaque fois dans cette école prestigieuse, on rencontre des problèmes d'une telle acabit qui sont de nature véritablement à jeter du discrédit à cette école prestigieuse. Je vais vous dire qu'il y a souvent eu des problèmes. Et vous avez vu, le test de la fonction publique, le décret de 2014, dispose très clairement que lorsqu'il y a concours à l'ENAM, par exemple, le directeur de l'ENAM est juste dans un rôle d'organisation du concours. C'est-à-dire, il apprête les salles, il apprête les épreuves, il corrige. Et dès qu'ils ont procédé aux corrections, il porte tout le résultat qu'il transmet au ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, qui, lui, a donc compétence de publier les résultats. Or, dans le cas d'espèce, on se rend compte qu'une fois que les copies ont été corrigées, le directeur de l'ENAM a dû transporter les résultats et aller les donner pour publication. Or, là, il a violé le décret de 1994. Et le président de la République a toujours réglé les tels duels en soi, mais de manière paradoxale. Parfois, il donne raison au directeur de l'ENAM, il enlève le directeur, le président, le ministre de la fonction publique. Tantôt, il conserve le ministre de la fonction publique et il enlève le directeur de l'ENAM. Donc, moi, je pense qu'il faudrait que dans l'avenir, que cette école... Pour l'avant-dernier scandale, c'est le directeur de l'ENAM qui est parti. Et le ministre est resté. Voilà, le ministre est resté. Alors, moi, je pense pour ma part que vraiment, il faudrait crédibiliser cette école, nous éviter de telles analyses, parce que ça fait tellement mal de savoir que des noms qui sont articulés, d'autres, les mêmes noms se retrouvent au niveau de la liste d'attente. Ouais. Ça fait quand même, ça jette du discrédit et ça donne raison aux gens qui pensent que pour l'entrée à l'ENAM, il faut être fils de tel, il faut utiliser de l'argent, il faut de la corruption. Et ce discrédit-là demeure et ce n'est pas une très bonne chose. Maître Serge Alain, à ce sujet, moi je voudrais me poser la question de savoir s'il faut en rire ou en pleurer. Mais il ne faut pas pleurer. Il faut plutôt en rire parce qu'il n'y a plus de larmes pour pleurer. Parce que ça arrive chaque année. Personnellement, vous avez pleuré. C'est ce qu'il faut faire. Il faut plutôt en rire parce qu'il n'y a plus de larmes. Il n'y a plus de larmes parce que les larmes, chaque année, c'est le scandale, c'est ça? C'est un scandale. De trop? Un scandale de trop. Et cet état de choses est le reflet de la mauvaise gouvernance que nous décrions tant. Voyez-vous. Je ne voudrais pas en dire plus. Mais Maître Kenya, vous parlez de coquilles à scandale. Je pense qu'il y a quand même... Mais c'est un scandale. Vous devez vous en émouvoir, vous en indigner. Vous devez vous en indigner. Cette école qui forme les cadres de l'administration camerounaise. Si c'est ainsi qu'ils sont recrutés, vous pensez que cette administration produira quoi sur le terrain? C'est de ça qu'il s'agit. Maître Kenny, juste ajouter c'est simplement que la sortie du ministre de la fonction publique vient pour ma part quand même corriger parce que l'administration aussi pour rappeler que c'est un dimanche de parler des actes de jury de parler des actes de rejet. Non, c'est pas ce substitution au jury. Un second scandale. Non, maître. Le ministre, à travers son acte, se substitue au jury qui a seule compétence. Non, le ministre a un pouvoir de correction. Pour rendre les résultats d'un examen qu'il a régulièrement corrigé. Le ministre peut pas se substituer au jury. Oui, et ça sortit un dimanche. Bien. Le dimanche, c'est vrai, le dimanche est un jour sabbatique. Le dimanche est un jour sabbatique. Mais je dois quand même vous avouer que pour les besoins d'urgence, il peut être admis à une autorité administrative d'agir un jour sabbatique. Ok.
Samuel Mott, sur ce scandale. J'en venais. La déontologie et la mienne ne laisse pas la place à la justification quand on a commis une erreur. Okay. J'ai toujours dit, généralement, quand vous faites, vous entreprenez quelque chose, vous avez deux cases. J'ai réussi, j'ai pas réussi. Oui. J'ai pas réussi, vous allez trouver mille explications derrière. Je ne suis pas en situation de justifier quoi que ce soit. Cela dit, je pense tout simplement qu'une coquille et un scandale, c'est quand même deux choses différentes. Parce que dans ce cas-là, mais là également, vous mettez dans le contexte, effectivement, où on a envie, effectivement, aussi de faire en sorte qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qui s'éparpillent dans la nature et qui font l'objet de commentaires tendancieux. Un responsable, effectivement, peut s'enfermer dans son bureau et dire je vais le traiter de moi-même pour qu'il n'y ait pas de fuite absolument. Est-ce que c'est ce genre, c'était cette posture-là qui fait qu'effectivement qu'on se retrouve en face de ces coquilles? Bien entendu, j'insiste là-dessus, il n'y a pas de place à la coquille et il n'y a pas de place, une fois qu'il y a la coquille, il n'y a pas de place à la justification. Ce serait effectivement bien qu'on teste l'ensemble de ces légèretés-là à l'intérieur d'une institution de référence, qu'elle est NAM, oui. De telle manière à ce qu'on puisse donner de la sérénité et de l'espoir, notamment aux jeunes. Aux jeunes qui font ces concours-là, que moi j'encourage à faire. Parce que là également, ce qu'on veut faire, diffuser, transmettre comme message à l'ensemble des populations, de dire effectivement, quel que soit l'effort que vous ferez, vous n'entrerez jamais à l'ENA parce que vous n'êtes pas fils d'eux. Je n'ai pas été fils de quelqu'un, j'ai pu grandir dans des conditions dans lesquelles j'ai pu grandir, mais j'ai quand même pu grandir tout de même. Ok. Oui. Maître Nguefa, pour terminer l'émission. C'est Jalin, moi, j'ai regardé M. Samuel Mott, j'attendais sa conclusion en termes de ça fait quoi. Il a juste avalé le mot, mais tout le monde sait ce qu'il fait. Vous voyez-vous, ce qui se passe à l'ENAM, ce n'est pas aussi pire que les routes au Cameroun. On va discuter. Ce n'est pas pire que notre Sonara. Ce n'est pas pire que notre football. Ce n'est pas pire que la gouvernance. Dites-vous, M. Samuel Mott, soyez un peu raisonnable. Vous êtes un professionnel, un expert. Alors, un monsieur de référence, j'en viens, et comme vous l'introduisez, faisons la différence, il ne s'agit pas d'une erreur, il s'agit des fautes, et des fautes primaires, des fautes de lecture, rien que sur deux formats. C'est pour ça que est-ce que je peux terminer? Non, ce ne sont pas des coquilles. Des fautes veut dire qu'on était incompétent. Des fautes veut dire que ceux qui ont fait ne devraient pas être là. Même la simple lecture a échappé à ce faux logiciel qui a sélectionné ce nom. Même la simple lecture a échappé à ce faux logiciel. Vous ne faites pas de l'esclavage. Non, merci. Arrêtez. Vous êtes sur Word. Merci. Arrêtez. Merci, monsieur. C'est merci. Le genre de contrôle que Word fait. Voilà, merci Samuel Mott. Merci Maître Fabien Cagné. Merci Maître Defin. Merci Docteur Luzon Issouba. C'est moi qui vous remercie. Voilà, ça a été un plaisir. Mais la prochaine fois, ne vous fâchez pas, Saint-Jalin. Personne ne s'est fâché. Merci. Merci Samuel Mott. On va se retrouver. Je me concentre pour attendre le discours de demain. Voilà, merci. Nous sommes arrivés au terme. Je connais les mécontents. Merci, merci. Nous sommes arrivés au terme de l'édition Equinox Soir de ce lundi. Rendez-vous demain dès 19h pour un autre numéro, cette fois spécial. Equinox Soir, décryptage du discours. L'adresse du chef de l'État à la nation, un jour pas comme les autres, demain 10 septembre 2019. Bonsoir, Soma Lomo.